Amen. Nous allons entonner le chant-thème avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, oh, oh. En avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu le combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, oh, en avant, soldats du Dieu vivant, l'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra, oh, gardez le silence. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, 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 oh. Viens, Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Viens nous délivrer. Pour toujours, il règnera. Oh, oh, avec Dieu. Merci. Avec Dieu. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, dites amen. Alléluia. 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 Ça signifie gloire à Dieu. Il mérite la louange. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de cette période de 40 jours, le Seigneur nous a inspiré deux pasteurs. Et le tout premier, celui qui doit délivrer le premier message ou sa mission pendant une partie de cette période, répond au nom de Tancrède, jeudi.
C'est avec beaucoup de joie que nous l'accueillons ce soir. Mais juste avant qu'il nous parle au nom du Saint-Esprit, au nom de Dieu, nous aimerions vous dire qui il est en fait, pour certains d'entre vous qui ne le connaissent pas. Comme vous pouvez le remarquer, il est très simple pour ceux qui le connaissent. Il a étudié la théologie, il a fait une licence en théologie. Et comme c'est un amant des études, il a poursuivi ses études académiques. Il a eu une maîtrise en art pastoral, un diplôme au niveau de la science juridique. Il vient d'Haïti et il est le responsable du ministère personnel et de l'école du sabbat à l'union de mission de l'église adventiste du septième jour d'Haïti. C'est un homme qui a beaucoup d'années d'expérience dans le Saint-Ministère, soit 15 ans. Donc c'est mon petit frère. Mais il est là ce soir, non pas comme théologien proprement dit, non pas comme juriste, je dirais, mais comme un serviteur de l'Éternel. Nous souhaitons à Pasteur Tancrède Jeudi un bon séjour parmi nous. Nous voulons vous dire, Pasteur Jeudi, comme vous pouvez le constater, le peuple vous attend. Ça fait très très longtemps que nous soupirons après votre présence. Nous parlons de vous à chaque occasion qui nous est offerte. Nous souhaitons que le Seigneur puisse se servir de vous et que vous soyez sous l'influence de son Saint-Esprit et que vous puissiez parler, non pas pour nous plaire, mais pour plaire à celui qui vous a envoyé, Christ de Nazareth. La chair est à vous, vous l'avez dès ce soir jusqu'à la dernière soirée, 9 juin 2017. Bon travail. Merci. Salut, ma chère, ça va? Je suis content d'être là ce soir pour vous parler de la part de celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Notre présence dit que notre Dieu règne encore. Il est vivant au siècle des siècles. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est vivant? Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est vivant, frères et sœurs? Vous êtes d'accord avec moi qu'il est vivant? Dieu est vivant. Quand il parle, la tête tremble. Quand Dieu parle, les problèmes trouvent des solutions parce qu'il est Dieu. Ce soir, je voudrais vous inviter à épouser une nouvelle conception de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à avoir un autre style de réflexion sur la Bible. Pendant mes jours ici, je souhaite que Dieu influence chacun de nous. Cette influence doit nous conduire vers la préparation de notre vie éternelle. Nous d'accord avec? Nous aussi, qui nous d'accord avec? Le premier sermon de la série est titré « Quand Dieu est au commencement ». Comment ça dit? Je n'entends pas. Comment? Quand Dieu est au commencement. Cela veut dire, bien, merci. Quand Dieu est au commencement, c'est un message qui invite l'Église à avoir une autre orientation de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu est au commencement? Le commencement, c'est croire. Le début, c'est ça? Comment? Quand Dieu est au commencement, ce soir, frères et sœurs bien-aimés, vous allez comprendre que dans votre expérience en tant que professionnel,
dans votre expérience en tant que membre d'église, vous devez prendre une autre position. Vous devez avoir, en fait, une autre réflexion de la spiritualité. Quand Dieu est au commencement, il nous invite à reprendre le chemin de la vie éternelle. Ça, c'est un petit peu difficile parce que nous sommes chrétiens, adventistes du septième jour. Des amis visiteurs viennent parce qu'ils veulent être sauvés. Mais le prédicateur vous dit quand Dieu est au commencement. Oh, je souhaiterais étudier avec vous les trois premiers versets de la Genèse. Genèse 1, verset 1, qui ça le dit? M'attendez. Au commencement, Dieu créa les cieux. Écoutez bien. Au commencement. Là, c'est important de voir. Au commencement. Dieu a fait quoi? Les théologiens diraient, mais Bereshit, Elohim, Bara, c'est l'hébreu qui dit au commencement Dieu créa. Mais le premier verset de la Bible est intéressant, mes frères. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Bara, c'est le singulier du verbe créer. Nous parlons. Le pluriel de Dieu, Elohim. Bara, le singulier du verbe créer. Ça veut dire quoi? Il y a un erreur dans le texte là. Dieu n'est pas au pluriel pour verbe là, au singulier. Now, les bons dieux commencent à vivre, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre vivre. Ou pas avec. Les bons dieux commencent à vivre, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre vivre. Ils ont commencé à comprendre qu'il n'y a pas de bonhomme. Ils ont commencé à comprendre qu'il n'y a pas de règle la vie. Dieu commence ta vie maintenant. Dis amen dans plus fort, frères et sœurs. Écoutez bien, c'est intéressant de voir des jeunes filles, des jeunes garçons que la société ne comprend pas. Parce que Dieu commence leur vie maintenant. Ça fait longtemps que vous venez à l'église comme vous voulez. Mais à partir de ce soir, Dieu va vous orienter sur ta façon de venir à l'église. Dis amen, dis amen, dis amen. Quand Dieu commence une vie, frères et sœurs, bien-aimés, société a pas comprendre ça va passer. À part demoiselle, ça a changé. À part jeune gens, ça a changé. À part membre d'église, ça a changé. Oh, je vous donne la réponse ce soir. Dieu commence ma vie. Dis amen, 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 amen. Écoutez bien, Elohim Bereshit Bara, moun pas qu'à comprendre le texte là, les grands théologiens yo goumé avel, et dans mes cours de théologie, lorsque moun ap goumé avec texte là, et puis m'gade yo mri, m'di yo n'pas besoin goumé avel, c'est parce que nous pas comprendre bon Dieu fait n'ap goumé avel. Bon Dieu toujours lage nous la confusion pour le fond bagay extraordinaire en vie nous. Arrêtez votre esprit maintenant et comprenez ce que je vais vous dire. Quand Dieu intervient dans votre vie, il vous met en confusion pour réaliser des choses extraordinaires dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, notre Dieu règne encore. Il nous aime d'un amour incommensurable. Les problèmes sont très, très bien contrôlés par l'Éternel. Sont très, très bien contrôlés par notre Dieu. Il contrôle le commencement jusqu'à la fin. Les secondes de votre vie sont calculées par l'Éternel. Mais il faut quitter bon Dieu. Commencez vivre. Waouh, vous avez un handicap difficile. Et au commencement, Dieu. Non. Je dis à mes collègues qui m'invitent dans le programme quand je dois commencer, c'est un petit peu difficile parce que l'église vient là pour vous délivrer. Mais avant de délivrer, il faut sauver. Dis amen encore, frères et sœurs. Avant de délivrer, il faut sauver. Si on délivre sans sauver, pas prendre. Ah, je ne l'ai pas bon. Yes. Écoutez, en ce soir, il y a des gens qui doivent recommencer à vivre. Il
Imaginez-vous des professionnels avec des doctorats, des maîtrises, qui gagnent un statut professionnel très intéressant, et le pasteur vous dit, ce soir, vous devez recommencer votre vie. Vous avez trop de trous dans votre vie qui piétinent l'honneur de Dieu, vous devez recommencer votre vie. Dans ce recommencement, Dieu sera le big boss de votre vie. Vous aurez à prendre des décisions après, ainsi parle l'Éternel. Mais continuez, nous comprenons. Mais le texte dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire quoi? Quand Dieu commence votre vie, il va créer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Il va marquer votre vie par son existence, par sa présence. Tout le monde doit voir en vous un élément extraordinaire qui marque la dignité de Dieu. Parce qu'il commence une vie. C'est ce qu'il a fait pour moi en tant que pasteur. Ce soir, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame Marie, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Vous avez besoin de quitter bon Dieu. Commencez à vivre. L'âme d'âme dit un bagage. Les bon Dieu commencez à vivre. Ou même qui te gagne des madames ou qui te yon. Parce que bon Dieu commencez à vivre. Ah, bah, la gueule est pas bon. Ah ouais. Les bon Dieu commencez à vivre. Et c'est sûr, bien-aimés. Mesdames, messieurs, vous avez une vie équilibrée. Ça veut dire que vous n'êtes pas influencé par la modernisation. Vous êtes influencé par la parole de Dieu. Parce que Dieu commence votre vie. Quand on dit, pasteur, ça fait venir puis de tenir à Haïti. Écoutez ce soir, frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut réaliser des choses extraordinaires dans votre vie. Il veut vous imposer dans votre société. Là où vous travaillez, Dieu veut vous mettre au sommet. Mais il doit prendre le commencement de votre vie. Yes. Quand Dieu prend le commencement d'une vie, frères et sœurs, bien-aimés, cette vie est valorisée. Parce que la personne représente la gloire de Dieu là où elle est. J'aime entendre les amens. Mais, je commence à corriger. L'autre dit amen, c'est pour prendre conscience. L'autre dit amen, il faut ranger la vie. L'autre dit amen, il faut corriger la vie. C'est amen, ça a besoin. Amen, c'est une correction là-dedans. Vous n'avez pas quelqu'un qui a dit amen, c'est pour la forme. Je ne prêche plus pour la forme, je prêche pour le changement du cœur. Je prêche pour l'éternité bienheureuse. Il faut dire amen pour être sauvé, frères et sœurs bien-aimés. Je reprends le premier verset de la Bible. Au commencement. Nous parlons, au commencement. Alors, vous savez que, en voyant le texte biblique, je me suis dit, finalement, je comprends la misère de l'Église. Je comprends pourquoi les membres d'Église sont misérables. Parce que Dieu ne commence pas leur vie. Je comprends pourquoi nous sommes si misérables. Parfois, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu obligé intervient à la manière de bourrique Balaam, non, pour le faire camper. Parce qu'on parle de comprendre. Ça n'est pas bon à ce moment. Bon Dieu veut comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Et il intervient pour comprendre. Et lorsque bon Dieu veut gloire éclater la vie, il bloque la vie ou quelque part. Il dit non, m'a bloqué la vie ou pour me commencer. Il faut gagner assez de sagesse pour que bon Dieu commence la vie. Au commencement, Dieu cria. Et c'est là dans l'église là comprendre. Je ne sais pas combien de temps qu'on me donne pour parler. On ne m'a rien dit. On termine à quelle heure? Oh. Ah, j'aime ça. Ça veut dire que ça se comprend. C'est bon. Écoutez bien, mes frères. Écoutez bien ce soir. Au commencement, Dieu créa. Et là, on a mis quoi, ou intelligent pour comprendre. Pas mal de bon Dieu pour lui intervient dans la vie au beau milieu. Dieu prend la direction de votre vie dès le commencement.
Et quand Dieu prend le commencement de votre vie, peu importe la difficulté, il a dit. Il a dit, frères et sœurs. Il a dit. Il a dit. Quand Dieu parle à tes trompes, les bons dieux dans le commencement, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Même si les hommes voulaient pomper pour occuper. Le roi des rois est un commencement. Il contrôle l'incontrôlable. Ne pas comprendre. Il contrôle l'incontrôlable. Il contrôle l'invisible. Parce qu'il est. Non, vie, vous menez, oui, l'autre bon Dieu, c'est bon Dieu. Parfois, on bat contre trop. Ou bat contre trop, ou pas les bon Dieu, font rien dans la vie. Quittez bon Dieu, font bagarre dans la vie, ou assoya. Quittez bon Dieu, prend. Le commencement de votre vie. Et c'est là, pendant mes deux semaines ici avec vous, je souhaiterais vous faire comprendre l'action de Dieu dans la vie de ses enfants. Parfois, avec des larmes aux yeux, Dieu est très, très puissant dans votre vie. Ah, il n'est pas bon. Parfois, avec des larmes aux yeux, avec des déceptions, déception sur déception, Dieu est très, très, pas là seulement, est très, très puissant dans votre vie. Parfois, ce sont les déceptions que Dieu envoie pour corriger votre vie. Des déceptions qui permettent à Dieu de prendre le commencement de votre vie. Et si vous passez l'examen avec succès, Dieu va vous lever au sommet. Il va vous placer au sommet parce qu'il est Dieu. Vous comprenez ce que je dis là? Parce qu'il est Dieu. Le premier verset nous dit, au commencement, Dieu créa. Je vous pose une question ce soir. Ou t'as remis à dire créons un merveilleux en vie ou? Amen. Ou si vous voulez bon Dieu créons un merveilleux en vie ou ma fille? Bye, bon Dieu, première place dans vie ou. Amen. Écoutez bien, je ne le dis pas trop, je passe. Cette phrase que j'aime, je ne le dis pas trop, je passe. La vie ne fait pas de cadeau. Le cadeau de la vie, c'est la vie. Les meilleures places sont à discuter. Cela veut dire, si vous voulez connaître la gloire de Dieu, vous devez discuter du bec et des ongles avec Dieu. La première place. Discuter avec Dieu veut dire, entre tête ou non, période de correction. Mais ça me dit qu'on fait, on va faire encore. Je ne vais pas faire encore. Chaque pas faire encore, ça y est, bon Dieu a vine pi devant. La vine pi devant. Et le bon Dieu arrive dans la première place là, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. C'est retour malgré tout, ouais, porte qui pas de jambes ouvrir. Côté pas de jambes de 40 ou entrer. Moun qui pas de jambes respecter. Parce que là où est au coulier, c'est pas où il est. Il est Dieu qui est au commencement de votre vie. Trop souvent, vous êtes dévalorisé parce que vous amenez devant vous vos diplômes, vous amenez devant vous votre compte en banque. Malheureusement, mais ça n'est rien. Mais vous avez un doctorat, mais c'est bon. Mais Satan a remis le doctorat lui. Vous pouvez imaginer ça. Vous avez $1 million, ok, mais combien de millions ça t'en a? À Bill Gates, à lui seul, à $76 milliards, il n'est pas Satan. Satan a plus que ça. Tout le monde, c'est pour Satan. Donc, si vous appuyez sur votre richesse, c'est un très mauvais appui. Vous devez vous appuyer sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi je dis au pasteur, mais écoutez bien, ce que tu dis de moi là, ça ne veut dire rien, mais moi, je viens prêcher la Bible. Et la Bible seule. Amen. Et côté m'entrer, c'est seule la Bible qui t'a fait m'entrer. Et côté m'passer, c'est seule la Bible qui t'a fait m'passer. Et je vous invite ce soir à placer Dieu où? Je vais avoir des bons élèves à placer Dieu où? À placer Dieu où? Comment? Dans la correction de votre vie. Ah, il n'est pas bon. Dans la correction de votre vie.
Vous ne pouvez pas être chrétien, jour après jour, sans une période de correction. Je faisais ceci hier, aujourd'hui, je ne le fais plus. C'est une période de... Ah, pourquoi c'est un mauvais pasteur? Période de correction. Là, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Bon Dieu, au pape qu'a sauvé, ce n'est pas corrigé de tout. Ah, pasteur, je dis, mais on m'a invité dans ce programme parce que je suis malade. Je voudrais avoir un emploi. Ça fait longtemps que je ne travaille pas, mais pourquoi tu commences ce programme avec une question de la vie éternelle? Le plus important pour l'Église, c'est la vie éternelle. Et, on va me dire non. Je ne sais pas, je ne sais pas, je crois dans demain. Je vais prêcher de tout ça, je vais me dire même jour. Demain, Dieu me donne d'autres choses à dire. Je vais me dire non. Bon Dieu, pas vous, Jésus vient mourir pour dire à quoi. Il a voulu qu'il vienne mourir pour le travail. Même pour notre santé, il a voulu qu'il vienne mourir. Il a voulu qu'il vienne mourir pour la vie éternelle. Et c'est là que nous saisit l'évangile. Dieu me donne une mission très difficile. Je suis en train de corriger les idées mal orientées de la parole de Dieu. Vous pensez, quand vous êtes à l'église, vous devez avoir une vie facile. Oui, non, oui, non, oui, non. Pourquoi oui, non? Si Dieu le veut, oui. Si Dieu ne le veut pas, non. Mais quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Amen. Quitte ma vie facile. Quitte ma vie facile. Quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Et ce soir, je viens partager avec vous cette idée. Au grand goût, quand tu as sauvé, il faut me sauver. Au nom de Jésus. Ou pas de travail, quand tu as sauvé, faut me sauver au nom de Jésus. Vous savez pour quelle raison? Parce que la croix, Golgotha, a été réalisée pour le salut de l'humanité. Pourquoi j'en lis dans la Bible là, à côté que bon Dieu vient mourir pour le manger? C'est un bagage terre à terre. Pour bon Dieu vienne mourir pour le manger. Maintenant, essayez de comprendre l'évangile ce soir. Si je suis à l'église, c'est pour ma vie éternelle. Si je suis pasteur, c'est pour ma vie éternelle. Peu importe les problèmes, peu importe les tourments, peu importe les calamités, notre Dieu règne encore. Il nous donne la vie éternelle. Maintenant, au fin de dire amen, il faut rappeler, oh, je veux avoir des bons élèves. C'est pour entrer vivre dans un cycle de correction. Correction, mettre bord de droit. Mais elle vient l'église à l'heure, ça va matin. Ah, bah, là, elle n'est pas bon. Ah, pasteur, vous savez que c'est au Canada où nous sommes fatigués, mais ça, c'est votre affaire à vous. Vous allez dire à Dieu, c'est au Canada que je vivais, mais je ne pouvais pas. Jésus a bonne réponse. Ça veut dire maintenant, mais moi-même, je vis dans la gloire éternelle. Je me quitte pour me venir sur la terre, pour me mourir pour vous. Je ne suis pas qu'à jeûner 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps pour adorer le sabbat matin ou pour prêt pour sauver. Ah, pasteur, mais non, c'est une très mauvaise invitation, pasteur. Renvoie ce pasteur dans son église là-bas. Mais je dis, pas trop, je passe, mes frères. Le salut est très, très, très difficile. Laisse-la parler. Le salut est très, très, très difficile. Les prédicateurs populaires disent, mais non, nous qu'à sauver, je ne voulais pas vrai. C'est pas la Bible. Ah, il n'est pas bon. C'est pas la Bible. Mais je suis dans un texte biblique qui dit, au commencement, Dieu créa. Arrêtez votre esprit et comprenez ce que je veux vous dire. Bon Dieu, pas fait un nid extraordinaire avec vous, si vous pas mettez en première place. Yes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a créé au verset premier? Les cieux et la terre. Qui peut expliquer les cieux? Qui peut expliquer la terre? Vous avez dit?
les bon Dieu pour commencement vie ou gien bagaille la fait dans vie ou tout on a dit c'est l'Éternel qui a dit. Yo pas ka expliquer vie ou gon corridor pour bon Dieu passer à vie ou yo dit mais rentrer le corridor par elle les regarder elle sur son highway. Et le temps le prend pour traverser le corridor long, ça. Tant tellement son temps record, il va arrêter en well. Vous voyez comment je me servis dans l'évangile? Les gens m'ont doublé. Je me dis, je vais nous mettre à l'œil. Parce que mon cap conduit, il y a un highway spécial pour lui. Il y a un highway, il prend, il n'y a pas de rien, parce qu'il n'y a pas de limite. Est-ce qu'on croit, bon Dieu vivant? Pour qu'il soit pas le commencement de vie ou à soi. Et c'est ça que je viens discuter avant simplement. Pourquoi je viens l'autre bagaille avant à soi? Je viens demander où est-ce que vous voulez sauver. Amen. Yes. Et pour sauver, il faut apprendre à placer la vie. Placer travail, placer madame, placer mari, placer petit, placer ami, placer bon Dieu. Il faut apprendre à placer. Ce que moi je fais dans ma vie, je place Dieu d'abord. Après, je place Nadine, ma femme. Ouais. Quand elle me cherche sur le lit, je suis à mon bureau, je prie. Où est-ce que tu étais là? Elle me dit, ah, je tiens à ma première place. Les copains me disent, ah, je tiens à ma première place. La seconde, l'autre place, c'est pour toi, mais après, c'est pour toi, mais à minuit, 9 du matin, je suis à la première place. Je me senti comme besoin de bon Dieu ma journée. Est-ce qu'on nous sentit en vie, bon Dieu? Dis amen. Puis il faut se concentrer en vie, bon Dieu. Soit ou pas en vie, bon Dieu, pour qu'on prêt pour sauver. Faut qu'on l'orgue, il faut sentir en vie, bon Dieu. Dame, on m'a invité, pasteur Élisée ne me connaît pas vraiment. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, mais qui es-tu, pasteur? Dis-moi, j'ai entendu parler de toi. M'invite au vini dans l'église à me prêcher. Il me dit, bon, Pablo, prends surprise, non, pasteur. Il dit, non. M'invite au vini. Me soupire au vini. C'est mon grand frère. Parce que quand on est pasteur adventiste, on est tous frères pour la même cause. Mais laisse-moi vous dire une chose. Il y a un pile de monde qui a parlé de l'évangile. Même les deux ont bagaille. L'évangile sont bonnes nouvelles. Ce n'est pas la bonne nouvelle pour votre guérison. Ce n'est pas la bonne nouvelle pour votre délivrance. Ce n'est pas la bonne nouvelle pour votre résidence. C'est la bonne nouvelle pour votre vie éternelle. J'ai l'impression que l'Église comprend ce que je dis là. L'Église a essayé de comprendre, m'a dit là, mais je veux vous amener dans une autre réflexion spirituelle. Écoutez ce soir, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, c'est très très important. Détachez votre préoccupation terrestre à celle céleste. Pas jambes, pas de temps pour bailler bon Dieu première place dans la vie. Comment expliquer quelqu'un qui est à l'Église? Tellement de choses pour me dire, j'ai tellement, mes sermons sont tellement difficiles. Quand on m'invite, on me dit, tant pour y faire grâce pas inviter. Oui, je refuse en plus l'invitation. Parce que je voulais assurer que bon Dieu m'amène dans une église. Écoute ce soir. Écoute. Quand Dieu est au commencement d'une vie, l'échec de cette vie est succès pour Dieu. Je le dis de façon très ordinaire. La victoire sans Dieu est l'échec à éviter. Mais l'échec avec Dieu est la victoire à rechercher. Si vous comprenez cette phrase, ça va pour ce soir. Et vous savez ce que moi je comprends là-dedans? Regardez la vie d'Abraham. Vous maîtrisez l'histoire d'Abraham. Cet homme âgé, vieillard. Imaginez-vous un homme qui a passé toute sa vie sans un enfant. Et après la promesse, il a eu un enfant. Après la promesse, il a eu un enfant. Et l'enfant qu'il a eu après la promesse, l'enfant de la promesse, le Dieu de la promesse, l'a dit, va sacrifier cet enfant.
Seigneur, moi, je ne comprends pas. Comment tu peux prendre le commencement d'une vie comme ça? Comment tu peux maltraiter un esprit comme ça? Ça, ce n'est pas possible. C'est même injuste, Seigneur. Pourquoi tu fais ainsi? Si votre esprit est avec moi, laissez-moi vous faire comprendre une chose. Au niveau bon Dieu a levé haut. Là où j'ai passé une épreuve. Ou pas avec. Une période de calamité où on passe dans la vie. C'est rangé ciel là, rangé un éclatement de gloire pour vous. Ou pas avec. Croyez-vous que Dieu vous aime? Est-ce qu'on croit, mon Dieu, Amen? Est-ce qu'on d'accord, mon Dieu, Amen? Yes. Gidez moun avec des larmes aux yeux, yo d'accord, mon Dieu, Amen. Gidez moun sous cabane de l'hôpital, yo pral mourir, yo d'accord, mon Dieu, Amen. Abraham a monté, montaï là, mais il d'accord que Dieu est amour. Li mari Isaac, li d'accord que Dieu est amour. Il met elle sur l'autel là, il est d'accord que Dieu est amour. Nous pas avec. Il prend poignard là, il est d'accord. Il est d'accord. Comment peut-on comprendre une telle réaction de cet homme? Comment peut-on maîtriser la foi d'Abraham? Où est l'amour de Dieu dans tout ça? Un enfant de la promesse, marié sur l'autel, le feu est prêt, tout est prêt pour le sacrifice. Comment placer ma confiance en un tel Dieu? Comment continuer à croire qu'il est Dieu? Même s'il est Dieu, il ne peut pas être un Dieu d'amour. Comment croire une telle chose? Et ce soir, en tant que théologien, je vous dis une chose très importante. Quand vous ne pouvez pas placer votre confiance en l'amour de Dieu, c'est le chemin de la gloire. Lorsque tout le bagage marié dans la main, ou pas de faire bon Dieu confiance, ou pas de croire qu'il remet, c'est le chemin de la gloire. Sourire et remporter victoire, ça, bon Dieu appelé en dignité. Abraham avait couteau dans la main. Et le semil pour lui. Pour aider Isaac. Mon théologien dit que l'ange, lui qui aime Abraham, lui dit Abraham, puisque vous obéissez à Dieu, vous faites confiance, vous avez une grande nation. Amen. Vous avez une grande nation. Avec 90 ans, Abraham fait petit. Mais posons une question. Combien de monde qui est plus petit qu'Abraham sur la terre? Abraham va répondre. Nous sommes équipés garés. Les bons dieux commencent à vivre nous. Même s'ils commencent en retard, la font record que le monde ne peut jamais comprendre. Moi, je me récolte là. Bon Dieu, tellement besoin de récolte là. Libère Abraham une nation. Nous avons. Tout Israël, c'est petit Abraham. Il a fini, non? Il dit, non, Abraham, écoutez bien. Je vais quitter seulement Israël, non? Je vais boire toute la terre. Il dit dans Galate, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Arrêtez votre esprit maintenant. Faites confiance à Dieu. Les circonstances de votre vie sont très très bien contrôlées par Dieu. Pas rien qui échappe. Faites confiance à Dieu. Trop souvent, nous faisons confiance au pays dans lequel nous vivons. Nous croyons que le Canada est un grand pays, on peut vivre là-dedans. Qui dit ça? Mais je sais, quand je place ma vie entre les mains de Dieu, la victoire est assurée. Là, je voudrais commencer à vous inviter à maîtriser le message. Soir après soir, je viens pour vous inviter à maîtriser une stratégie spirituelle.
Je prêche à travers mes stratégies spirituelles. Ce soir, nous devons placer Dieu où? Comment? Dans un cycle de correction. Ah oui, mon bon élève. Je reprends. Nous devons placer Dieu où? Comment? Sous on lève un jour, pas je n'ai rien pour corriger l'envie ou? Posez-toi toute question. Ou tellement oublié vie ou pas je n'ai rien pour corriger. Chaque jour, on correction. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Chaque jour, on correction. Et ça fait l'homme est à genoux, il faut prendre temps pour demander bon Dieu pardon. Parce qu'il est haut. Parce qu'il est haut. Quand Dieu est au commencement, un cycle de correction débute dans la vie de ses enfants. Il y a des gens qui viennent à l'église chaque jour en retard. Il n'y a jamais payé de ma offrande. Ah, je crois que Dieu est vivant. Non, c'est encore là. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu sous payé de ma offrande à ouvrir l'église ciel là pour le bénir? Moi, mes textes là, pour qui ça? Parce que la bénédiction des dîmes et des offrandes ne viennent pas sur la terre. Et ça fait moi-même avant de ne pas comprendre. C'est wow béni. C'est ouais mon wow béni. Ou pas qu'à expliquer parce que c'est bon Dieu qui ouvre ciel là le béni. Est-ce que vous voulez placer bon Dieu au commencement de votre vie? Le texte dit Dieu créa. Quand Dieu crée quelque chose dans la vie de ses enfants, ce sont des choses extraordinaires. Tout le monde dit, à part c'était vrai. Écoutez bien ce soir, frères et sœurs bien-aimés, le deuxième verset de méditation nous invite à comprendre une chose. Je voulais prêcher demain soir, mais je voudrais ouvrir votre esprit ce soir. Le deuxième verset dit quoi? La terre était informe et vide. Il finit? Et il est? Non. Il y a des ténèbres au-dessus de la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Il y a quatre éléments qui étaient agressifs. Il y a quatre éléments qui étaient agressifs. Où j'apprends à étudier les textes en tant que pasteur. Le premier élément qui m'intéresse, la terre était informe. Arrêtez. La terre était informe. Un. Informe veut dire quoi? Mon qui parle gros français. Yo. Sans forme. Vous savez que quand Dieu ne commence pas une vie, c'est une vie sans forme. Vous êtes pasteur, mais sans forme. Vous êtes ancien, mais sans forme. Vous êtes diaconesse sans forme parce que Dieu n'est pas au commencement de votre vie. Comme vous n'avez pas de forme, ou pas les gens voulés, ou méprisez les gens voulés, ou exposez aux gens voulés, en pensant que c'est une grande madame, en pensant que c'est un grand monsieur, moi qui vous regarde en tant que pasteur, je vois que vous n'avez pas de forme. Et je comprends la raison pour laquelle vous n'avez pas de forme. Parce que Dieu n'est pas au commencement de votre vie. C'est un fait normal pour parler mon mal. C'est un fait normal dans une église là pour dire, petit frère, avancez pour moi, s'il te plaît. Parce que son petit frère, vous n'avez pas d'eux. En allez, vous n'avez pas d'eux. Fort ou sans fort. Quand on travaille là, on ne peut pas voir en vous la gloire de Dieu parce que vous n'avez pas d'eux. Et pour quelle raison vous n'avez pas de forme? Parce que Dieu n'est pas au commencement de votre vie. Oh, je voudrais dire le deuxième concept ce soir. Quand Dieu n'est pas au commencement de votre vie, même quand vous avez des diplômes, vous avez une tête remplie de connaissances, vous êtes vide de sens. Ma grande sœur, hier soir, tandis que j'ai passé toute journée avec lui, il m'a causé. Hier soir, il m'a présenté un ouvrage, un pasteur a écrit. Vous comptez cet ouvrage-là? Vaudou, je m'en souviens.
Vaudou, je m'en souviens. Mais je regarde le livre, il m'a dit, c'est un pasteur qui écrit, il dit quoi là-dedans? Mais qu'est-ce qu'il peut dire là-dedans sur Vaudou, je m'en souviens? Le pasteur n'est-il pas un théologien? Mais non. Vous avez une somme de connaissances, mais vous êtes vide. Vous avez la sociabilité, vous avez un bon emploi. Quand vous parlez de la société, et vous êtes un homme cultivé, une femme cultivée, mais vous êtes vide. Parce que Dieu n'est pas au commencement de votre vie. Combien membres de l'église captent des masses qui vide? Combien membres l'église parce que vous avez une belle machine et les dirigeants de l'église ont acheté des figues, vous avez un poste, mais vous vite. Vous vite. Nous aimerions avoir une église spirituelle, une église qui annonce la gloire de Dieu. Une église, mesdames, messieurs, les frères et sœurs, prient pour l'éclatement de la gloire de Dieu. Nous voulons une église qui croit que notre Dieu règne encore. L'église est sans forme parce que les diplômes prennent la première place. Les comptes en banque prennent la première place. L'église est sans forme. Et je dis partout où je passe en tant que pasteur adventiste. Les dîmes et les offrandes ne contrôlent pas l'église. C'est Dieu qui contrôle l'église. Si vous ne remettez pas vos dîmes et vos offrandes, Dieu va prendre soin de l'église. Cette église, c'est l'église de Dieu qui annonce la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs bien-aimés. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'église qui parle de la loi de Dieu, c'est l'église de Dieu. On n'a pas besoin d'aide personne pour le fonctionnement de l'église. Vous donnez vos dîmes et vos offrandes à la recherche de Dieu. À la recherche de Dieu, pas pour le fonctionnement de l'église. Ah, ça sent mauvais, pasteur. Croyez-vous que Dieu peut prendre soin de son église? Oui. Sois grand bas de corps, comme ça. Au commencement, la terre était. Troisième élément de réflexion. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand la terre vide et forme, il fait noir. Regardez-moi une église ténébreuse. Les gens ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Ils deviennent des formalistes. C'est la louange. Ils font de la louange pour faire la louange. Il prêche comme pasteur, je dis pour prêcher. Comme c'est un pasteur. Mais moi, je dis à mes collègues, quand je prêche pour ma vie éternelle. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Et l'Église doit être sauvée, frères et sœurs. Ça, c'est important. Ténèbres, fait noir dans l'Église là. Les gens ne viennent plus à l'Église. Les gens ne viennent plus à l'Église. Parce que les membres d'Église sont vides. Les membres d'église n'ont pas de forme. Les membres d'église représentent la situe ténébreuse de la terre. Nous devons changer notre comportement. En plaçant Dieu, les musiciens jouent pour quelle raison? Parce qu'ils sont musiciens? Waouh! Ils doivent jouer parce qu'ils veulent être sauvés. L'Église n'a pas sa raison d'être en dehors du salut. L'Église, c'est le berceau de la vie éternelle. Quand on vient à l'Église, on vient à la recherche de la vie éternelle. Comment venir à l'Église pour venir? Je viens d'Haïti. Je viens administrer deux programmes
sur Canada. Ça fait plus de 4 ans qu'on m'invite, que je ne peux pas venir. Parce qu'on m'a dit, quand il y a une dame pour me venir. Et Dieu m'a envoyé pour cette période. Dieu m'envoie pour cette période. Et quand, dans l'avion, je regarde les nuages, et je dis à mon Seigneur, pourquoi risquer ma vie comme ça? Si je n'ai aucune mission à faire au Canada, pourquoi risquer ma vie? Pourquoi laisser mes enfants en Haïti, ma femme, pour venir? Pourquoi laisser mon bureau pour venir si je n'ai aucune mission? Donne-moi une mission. Donne-moi une mission. Ok, Seigneur, je vais parler à l'Église de la vie éternelle pendant toute la période. Est-ce qu'on voulait sauver tout le monde? Et forme, vide, ténèbres. Mes situations, même l'Église. Mes situations, l'Église, là, je vous dis. Là. Mes situations, les jeunes filles, les jeunes garçons, l'Église, là. Et forme, comment jeune fille adventiste, là, pas capable d'identifier elle comme adventiste? Ils sont forts. On devait voir en vous une chrétienne dans le silence sans rien dire. Au commencement, Dieu créa. Mais Dieu créa quelque chose d'extraordinaire à partir de bagages sans forme, vide, ténébreux. Mais le quatrième concept dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est l'espérance de l'Église. Joyeux là, l'Esprit de Dieu a mouvé la vie. Amen, 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 amen. C'est ça que fait, les 40 jours à venir. Comme la mouvé la vie, malgré tout le bagage, ou finit quand même, ou évite les amis, parce que l'Esprit de Dieu a mouvé la vie. Et comme la mouvé la vie, il prépare un serment pour vous. C'est mon ça, c'est pour le bon, forme. Amen, amen, amen. C'est mon ça, c'est pour le remplir la vie. Avec le fruit de l'esprit. Et pour qu'on entre dans le cycle de correction des fruits de la chair. On va corriger, on va retirer. Et les fruits de l'esprit prend place. Laisse la vie ou commencer à gagner. Yes. Vie ou commencer à rendre. Les jeunes filles, ça, sont monde qui est un bruit. Amen, amen, amen. Aux jeunes filles, ça, sont monde qui respecte l'Église, oui. Les gens entrent à l'Église, là, ma chaise pour montrer, ils ont tellement se croit, les arrivés à l'Église, ils ont croisé les pieds au blanc. Et puis, ils ont une chiclette, ils ont prôlé. C'est la haute société. Bon secret, l'arrivée à l'Église, là, la haute société, c'est le ciel. J'aime voir les frères, les sœurs qui se croient être grands, pas devant qui. Et comme si c'est moi qui bon Dieu. Dieu habite un lieu inaccessible aux hommes. Ça veut dire que aucun être humain, quel que soit son niveau économique, quelle que soit sa position sur cette terre, ne peut pénétrer la zone habitée par celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un lieu inaccessible aux hommes. Ce soir, ma seule et unique question pour l'Église, est-ce qu'on veut les sauver? Amen. Yes. Pour sauver, il faut quitter bon Dieu bon, forme. Il faut quitter bon Dieu rempli. Il faut quitter bon Dieu éclairé. Et seul moyen pour faire, c'est l'Esprit de Dieu qui mouvre la vie. L'a influencé. Pas fait ça, 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 pas fait ça. Apprendre, attendez. Dis amen, non, puis il faut faire ça. Yes. Et là, même, nous apprenons la même. Puisque l'Esprit bon Dieu mouvre la vie, le premier élément de sa création, c'est la lumière. Amen. Le premier élément de la création, c'est quoi? La lumière.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen, amen, amen. Vous m'imaginez, si bon Dieu prend commencement l'église là, il y a une lumière qui a pris dans la zone. Il y a une lumière qui a pris sur le quartier de la caillou. Mon Dieu parle de ça qui a passé comme ça. Je vous donne la réponse. Dieu prend le commencement de l'église. Dieu prend le commencement de ma vie. Dieu crée de ma vie la lumière. Et tout le monde ouais, mieux ouais, cette lumière. Parce que bon Dieu crée dans la vie la lumière. Je voudrais vous inviter à prendre un élément pratique de mon sermon. Est-ce que la terre est forme, je dis là? Qui forme la terre? Pas fait ça, non? Qui forme la terre? La terre est ronde. Galilée le disait, pas vrai? On l'a tué. On ne voulait pas croire comment la terre est ronde. Ou bagaille plate comme ça, à machine à courir sur lui. Comment t'as fait ronde? Puisque Dieu était au commencement, il a donné une forme à la terre. Amen. Quand Dieu prend le commencement de votre vie, il va donner une forme à votre vie. La terre était vide. Maintenant, la terre est remplie d'arbres, de fruits, de toutes sortes. Dieu va remplir votre vie. Les éléments célestes. Les ténèbres étaient là. Dieu va éclairer votre vie par la lumière de sa parole. Ne vous inquiétez de rien. Notre Dieu règne encore. Il 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 règne encore. Ne vous inquiétez de rien. Notre Dieu règne encore. Est-ce qu'on est d'accord avec mes frères et sœurs? Il règne encore. Oh, ce soir, je voudrais terminer ma présentation en vous rappelant deux choses. Mon capsule, bon Dieu, c'est mon qui croit que bon Dieu puissant, même si il n'a fait rien pour vous. Ah, je ne sais pas bon. Je le dis en français parce que je voudrais dire en français, la foi, c'est de croire que Dieu peut tout faire, même quand il ne fait rien. Vous êtes malade, Dieu ne vous guérit pas, mais vous croyez qu'il peut vous guérir. Vous n'avez pas de travail, Dieu ne vous donne pas encore de travail, mais vous croyez qu'il peut vous donner. Nous pas avec. Est-ce que vous croyez bon Dieu là comme ça? Ce soir, je voudrais prier avec vous. On m'a dit chaque soir, la prière d'intercession, c'est après le message. Ce soir, je respecte le format. Peut-être d'autres soirs, je peux ne pas pouvoir respecter. Mais quand même, on va prier soir après le sermon. Je ne voudrais pas prier pour les problèmes séculiers. C'est-à-dire les problèmes qui a rapport avec la terre. Vous savez ce que Dieu fait? Quand Dieu prend le commencement d'une vie, il résout tous les problèmes. À sa manière, en son temps, à sa façon, il résout les problèmes. Je vois sous mes yeux comment Dieu résout les problèmes. Peut-être j'aurai à partager avec vous certaines expériences de mon ministère, mais je vois comment Dieu résout les problèmes. Mais je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécu à l'aéroport de Miami. Et tandis que moi, je suis à New York, je suis prêché, et puis je suis à Miami, et puis je suis à la salle, et puis je regarde en face de moi une dame, 13 ans. Je regarde, je regarde, même tellement regarder, je ne vais pas regarder. Il est tellement gardé, je ne vais pas regarder. Mais dans la tête, m'a dit dans la tête, moi, mais mon ça, quand je regarde ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas lui-même, ça l'a fait là. Parce que dans la tête, je ne connais pas la partie. Dans la tête, je ne connais pas la partie. Son pauvre malheureuse. Il est gardé,
Finalement, je me levais les yeux, je me regardais. Et puis, je mettais mine moi pour me comprendre qui est devant moi. Et puis, je levais blab. Et puis, l'avance est venue. L'avance avec une élégance de femme. C'est une bonne dame qui commençait à agir, mais très élégante. Et puis, elle dit, pasteur, je dis. Elle dit, ma soeur. Elle m'a changé de nom. Elle dit, ma soeur. Et puis, elle dit, mais, quand il y a là, regardez-moi là, elle dit, ça m'a fait là. Mon petit Jean-Jean me dit exactement, c'est ça, m'a dit dans la tête, mais qui ça va faire là? Il dit, tout le temps qu'on dit, notre Dieu règne encore. Mais m'a toujours dit, notre Dieu règne encore. Il dit, ma soeur, écoutez bien, je sais que notre Dieu règne encore, mais je veux que tu me dises, qui ça va faire là? Comment on fait là? Il dit, ah, passe. Il va travailler. Marie, il va travailler. Nous sommes pauvres malheureux. Dans le bon sens, moi. Vous comprenez, non? Dans le bon sens, moi. Si je suis un saint domaine, je vais me dire ça, je vais faire là. Dans le bon sens, moi. Pour nous comprendre ça, je vais dire. Il dit, pasteur, bon m'expliquer. Je vais me lever par là, pas bon pour moi. Mba wè devant, mba wè derrière. Et puis, on lit dim qui dim al chercher visa. Ça dit la chercher visa? Ça dit la chercher visa? On dit, ok, vas-y, continue, dis-moi la bien. Il dit, bon, je fais passeport, je prends rendez-vous, mal chercher visa. Il dit, avec quoi? Il dit, passeport, passeport. Et pas un passeport, pas visa? On dit, ok. On dit, mais comment tu fais quand tu arrives pas devant le consulat, quand tu fais là pour aller? Il dit, allez, m'arriver devant le consulat, on dit, bon, vous regardez dans yeux, vous regardez au dans yeux. On dit, comment on relève? On dit, non. Et on dit, ni ça m'a pas fait, ni papier, ni rien. Il dit, madame, bon voyage. Quand Dieu est au commencement d'une vie, il crée des choses extraordinaires. Dis-moi depuis lors, pasteur, je voyage, mon avion, ma moto avion, ma personne avion, chaque monde qui voit me dit, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Mettez Dieu au commencement de votre vie. Oh, c'est simple. Il va vous donner une vie glorieuse, une vie extraordinaire. Et tout le monde parle dit, ou quoi c'est vrai? Ou quoi c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que Dieu est au commencement de ma vie. Et là, dans la main, priez avec vous. Est-ce qu'on croit, mon Dieu, qu'à fond bagaille pour vous? Je ne parle pas de bagages, je ne parle pas de ça de gagner comme problème. Il y a des gens qui n'ont pas qu'à sauver. Il y a des bagages qui empêchent de sauver. Il n'y a pas qu'à remporter victoire sur lui. Assoyez le secret, c'est de placer Dieu au commencement de votre vie. Amen. Chaque coup mettant à genoux, dit ça, ne même pas comprendre, non. Après, la première place, prends-le. Je veux prendre la première place, prends-le. Prends sur l'adultère, prends-le. Prends sur la fornication, prends-le. Prends sur la paix du monde, prends. Prends sur l'orgueil, prends. Discutez à mon Dieu. Dis mon Dieu, prends la première place de ma vie. Je ne peux pas, mais je t'ordonne, Seigneur. Je te demande de prendre la première place. Tu peux prendre comme moi te semble. C'est comme moi te semble avec moi. Mais quand tu as la première place, c'est à toi. Je ne veux plus voir l'adultère au premier rang de ma vie. Je ne veux plus voir la fornication, l'orgueil. Je veux voir Dieu. Ça, c'est une conviction. Je vous donne garantie que Dieu va embellir votre vie. Il va embellir votre vie. Tandis que la pelle est lancée, je pense que c'est courtois de prier avec vous ce soir. De ne pas demander à d'autres de prier pour vous. Je vais prier avec vous. Autour de vous.
l'on senti nécessité tout le monde pour commencer à mon Dieu la première place là. On vient joindre moi. Pas venir parce que le pasteur a dû venir prier. Nous faisons comme grimace comme ça. Ou avoir quelle sensation on va venir prier, soit venir faire. Le chita qu'on trouve là. Pendant que vous voulez venir prier, il faut chercher une sensation. Pour pas nous lever pour Saint-Esprit à guider. Il faut sentir qu'on pousse pour sauver, pour transformer. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Lorsque senti vous voulez, bah bon Dieu pour y placer, viens devant ma prière. Où sont inscrits les noms? L'on senti nécessité ça. Vini. L'on senti nécessité ça. Mande mon Dieu ça. L'on senti nécessité ça. Vini, joins moi. Mets-toi à genoux, on va le prier avec ce soir. L'on senti nécessité ça. Pour pas mon Dieu, première place dans la vie. Levez, venez devant. L'on senti nécessité ça. L'on vit, pas mon Dieu, place ça. Levez, venez. Levez, venez. L'on vit, pas mon Dieu, place ça. M'attendons, amis. L'on vit ça. On dit que l'équipe de chant a chanté pour nous ce soir. Ou même qui va capable encore dans la vie. Bon Dieu, invitez-vous à soir pour prendre une décision. Ne prenez pas la décision des autres. Prenez vous-même votre décision. Sont tous assis à la table du maître. À la table du maître. Jouissant du bonheur. Quittez mon Dieu béni ou simplement. Nous pourrons le connaître. Le regard de Dieu. Est-ce que vous appelez à Zomim? Est-ce que vous voulez la frêne? Avec vous, rendez-vous. Serez-vous avec vous, rendez-vous. Juste avant le dernier couplet. Je vais chanter le dernier couplet chant pour me prier avec nous. Je voudrais lancer un appel direct à notre soeur bien-aimée, notre invitée spéciale, ma soeur. Ou pas ta main, bye bon Dieu, première place dans la vie où je vais prier avec toi. Venez. Dieu béni, assois-toi. Non, où tu es seul, bon Dieu, qu'on aime. Je vous invite tout. Allez, bon Dieu, il faut grâce, assois-toi. Que soit le péché. Allez, bon Dieu, il faut grâce, assois-toi. Le sang de Christ. Allez, bon Dieu, il faut grâce ce soir. Mande bon Dieu, pour faire grâce à soi-là. Mande grâce. Mande bon Dieu, grâce à soi-là. Venez tous. Mettez-nous à genoux, nous allons prier. Avec vous, oh divin, rendez-vous, venez.
Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons ton Saint grand nom ce soir pour le privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Nous voici à tes pieds, agenouillés à tes pieds, à la recherche de ta présence. Pour ce soir, tu nous as invités à te placer à la première place de notre vie, au premier rang de notre vie. Nous comprenons que c'est difficile quand tu es à la première place. Nos diplômes sont éclipsés. Ce que nous représentons aux yeux des hommes sont dévalorisés. Mais ce soir, en dépit de tout, nous voulons nous éliminer pour voir l'éclatement de ta gloire. S'il te plaît, tandis que nous sommes à tes pieds, nous sommes très, très faibles. Le monde nous tente de toutes parts. Nous ne pouvons pas résister aux différentes tentations du diable. Ce soir, nous voici à tes pieds, s'il te plaît. Dans ta grâce, dans ta sollicitude, dans ton amour, dans ta miséricorde, prends la première place de notre vie. Place-toi sur la première chaise. Place-toi. Des mondes qui sont à genoux, c'est un pile force pour mettre pour entrer. Mais nous voulons entrer. Mettez tout ça, pape glorifié non dehors. Amen. Nous voulons lumière rayonner dans la vie, nous. Nous voulons vie nous remplir avec le fruit de l'esprit. Nous t'arrêmons, ou bas vie nous forme. Créons bagaille, non, pour gloire non dans la vie, nous. Font miracle en vie nous qui marque dignité non. Il y a un pile monde qui vient là, il est pas capable encore. Mais si nous raté la terre du Canada, si nous raté tout à fait nous, mais quand tu as sauvé, faut nous sauver au nom de Jésus. Amen. Mariska agenouillée dans pied, cette sœur. Il dit nous merci de ce qu'il nous invite à venir. Ça veut dire que nous n'étions en vie venir. T'en prie, touchez ce Mariska. C'est pour qu'à partir de ce soir, incroyable mais vrai, c'est pour mon akaïli, zamili, mon kap fréquenté le dit, finalement, gon bagay qui change dans vie. Yo. Et c'est pour le dire, m'baye bon Dieu, première place dans vie. Fon miracle qui est au même seul qu'à faire. Nous comprenons la situation jeune, Jean le monde vigné. Mon seul bagage qu'on dit nous, dans la parole, tout le monde qui est sincère, il va sauver pour l'éternité. Sauver la sœur Mariska. Permettre que Asroy soit capable de changer de bonnes nouvelles pour Vili. Il y a même l'église qui a agenouillé dans le pied. Il est venu tout perdu. Il est venu rempli avec orgueil. Yo vini sans espérance parce que l'espérance était dans diplôme yo. T'es dans compte en banque yo, t'es dans ça yo. Yo dit au pas lever à genoux. Sans pas prendre première place dans vie yo. Font bagay. Gen moun ki malade. Mais lor l'on vit ou tout guéri. Gen moun ki persécuté. Lor l'on vit ou tout délivré. Parce que lor prend place dans vie, vie a pas de problème, elle gen programme. Et à soi, je m'a demandé pour capable faire nous vivre plus longtemps que les problèmes. Fais-nous grâce. Merci pour le ministère de Pasteur Élisée. Cet homme responsable,
qui semaine après semaine, mois après mois, me tient en haleine pour me dire, pasteur, tu dois venir. Merci pour son ministère. C'est pour famille bénie. C'est pour porte qui ferme devant lui ouvrir. Font miracle dans l'église, ça, à côté de nos genoux. C'est pour avant semaine finie, nous rendre nous compte que le programme, ça, c'est pour la vie éternelle. Non? Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Nous t'adressons, nous te prions. Au nom de Jésus, à lui revient gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.